Bonjour les vadrouilleuses et les vadrouilleurs. Bon, ben me voilà arrivé dans la Drôme. Super. Cette vidéo, cette semaine, sera justement sur mon nouveau départ. Et oui, c'est reparti. Et là, logiquement, jusqu'à fin septembre. De plus, vous verrez sur Yellow que je vais coller quelque chose dessus. Comme ça, vous pourrez me reconnaître si on se croise. Bon, et ben, bon visionnage. Non mais dis donc toi, tu n'aurais pas oublié de t'abonner? Allez, un petit clic. Bonjour à tous. Bon ben voilà, après 15 jours, enfin un peu plus de 15 jours de pause chez moi, et ben je repars. Là je me dirige sur la Drôme, tout doucement. Voilà, c'est parti jusqu'à fin septembre logiquement, si tout va bien. La route est belle, il fait beau, il y a beaucoup de vent par contre, mais c'est tranquille. Allez, à tout à l'heure. Résultat, un life avec Yellow. Il y a quelques bulles, mais j'ai l'impression que c'est en train de s'en aller au fur et à mesure. Donc peut-être qu'il faut que ça sèche, je sais pas. Voilà, c'est pas mal, moi je trouve. Ouais, j'aime bien sur le côté ce que ça donne. Là, c'est un peu mieux réussi que le devant. Là, il y a encore des bulles. Je sais pas, ceux-là, j'ai vraiment du mal à les mettre, ceux-là. Enfin bon, c'est fait, hein, de toute façon. Mais je suis trop contente du rendu. De loin, ça fait super bien. Ouais. Je trouve que ça donne bien de loin. Bon, ben voilà, mon petit bricolage. Maintenant, ben, si vous voyez un camion jaune ayant marqué Van Life avec Yellow, c'est moi. Non, mais bon, j'aime bien. Ça faisait longtemps que je voulais en mettre. Mais c'est discret, c'est bien. C'est juste, je pense... la grosseur que je voulais, enfin le caractère que je voulais, pas trop gros, pas trop petit non plus. C'est... ouais, je trouve que c'est nickel et c'est posé droit. Et ouais, c'est ça la vie nomade, on prend le temps. Hein. Oh. Maintenant je vais répondre un petit peu au message parce que j'ai pas eu le temps. Ah non, mais là, un message de Greg, allez-y. C'est Nadège et Pierre, hein. Mais leur message à chaque fois, c'est top. C'est incroyable. J'en profite pour passer un message aux personnes qui pourraient subventionner Sylvie comme une chaîne TV Arte, par exemple, ou bien tout simplement la Sécurité sociale pour partager ses images dans les maisons de retraite, par exemple, permettrait d'évader ses pensionnaires. La vidéo de Sylvie véhicule un maximum d'oxygène de bonheur. Pardon pour notre message personnel sur ta page, mais on ne sait jamais. A très vite pour une nouvelle vidéo et bonne route. Nadège et Pierre. Non mais franchement, eux ils sont trop top quoi. Chaque fois ils me laissent des messages, ça fait trop plaisir, j'adore ça.
Bon, j'ai pas dormi, je me suis détendue. On va reprendre la route, tout doucement, mais sûrement. Bon, bah ça y est, j'ai trouvé un petit spot pour ce soir, pour passer la nuit, un petit peu après Grenoble. C'est à 95 km et 1h47 de, comment dire, 1h47 d'où je me trouve là. Et ben, on va reprendre la route. Bon, ben, je vais préparer Yellow pour pouvoir reprendre la route, tranquillou. Allez, c'est parti. Bon, ben, premièrement, c'est fermer ça. Le lanterneau arrière. Ouais, c'est le truc. Alors, ici, j'ai ouvert la fenêtre, pareil. Je vais la fermer. Voilà. Tac. Tac. Et retac. Le frigo, je le mets sur batterie. Voilà. Je vais aller fermer le gaz, faut pas que j'oublie. Là-haut, pareil, lanterneau, le grand lanterneau à fermer aussi. Ouais. J'avoue que... peine. Ah, c'est quoi ça? Ah, c'est une coccinelle. Ah, mais là, un coccinelle, tu vires, hein. Ah, elle va bien rentrer. Psst. Allez, fous-moi le camp. Allez. Pas trop, moi, les bestioles. Coccinelle ou pas. Pas de bestioles. Donc là, ça va commencer à faire chaud à l'intérieur. Parce que, effectivement... dès qu'on ferme tout, c'est assez difficile. Ne pas oublier d'éteindre le tableau de bord. Alors, je vérifie aussi la fermeture de mes tiroirs, parce que alors ça, à chaque fois, j'y ai le droit. Donc là, c'est fermé. Le frigo, comme je vais faire un peu une montagne, pareil, je vais le bloquer. Là, ici, c'est bloqué. Le sopalin aussi, parce que alors ça, quand je roule, si je ne mets pas un élastique, il se déroule complètement. D'ailleurs, c'est déjà arrivé, on le voit ici. Hein. Ah, je ne vous ai pas montré. Ça, c'est de la coriandre et ça, c'est du basilic. Voilà, j'ai des nouvelles plantes. Enfin, des nouvelles... j'ai des plantes. Enfin, ce n'est pas des plantes, hein, c'est des herbes. Quitte à avoir un peu de vert, ça soit du vert qui serve à quelque chose. Et j'adore ça, moi. Je sais pas si ça... ah, attendez, je vous pose. On ferme le gaz. Yellow! Bonne life avec Yellow! Ça, je redonne un petit coup sur le drap du dessous parce qu'il tient jamais. Ça m'énerve! Il y a pire hein, dans la vie, hein, c'est sûr. Hein. Je comprends bien. Allez, voilà, le gaz est fermé. Allez, je monte au poste de pilotage. Voilà, ça c'est fait. Première chose, je mets mon petit poulet de Bresse à sa place. Je déclenche la vitesse. Si. Allez, je vais démarrer. Ah, nickel. Bon, je vais aller faire demi-tour juste là. Et puis, voilà, parti pour 1h46. Allez, go!
à 900 mètres d'altitude, juste après Grenoble. Parce que là, Grenoble, j'ai traversé Grenoble, 35 degrés il faisait. Donc, du coup, j'ai préféré, prendre de l'altitude, trouver un petit spot en altitude. Donc, 900 mètres, c'est pas mal. Voilà, je suis ici, il y a une voiture là-bas. Et là, il fait bon. On respire, quoi. Il y a un petit air, là, juste nickel. J'ai sorti mes petites herbes, là, parce que elles ont eu chaud. Je viens de remettre de l'eau. Et là, elles vont être bien. À l'ombre, à la lumière, j'espère qu'elles vont repartir. Parce que là, on voit qu'elles ont un petit peu soif. Hein. Pourtant, j'en ai mis ce matin. Hein. Mais il faisait tellement chaud. Et puis voilà où je suis. Regardez cette vue avec la montagne, là, comme ça. Voilà. Puis là, il y a juste ici, il y a un chemin de randonnée. Mais je dois vous avouer que je vais peut-être pas faire la randonnée avec une chaleur pareille. Puis il est 16h30. Oh, pas trop envie, quoi. Donc, je trouve que c'est pas mal. Voilà, le petit spot pour la nuit. Allez, à tout à l'heure. Ou pas. Pour ce soir, je me suis préparé une petite salade avec un melon. Enfin, un melon espagnol, enfin jaune, là, ce qu'on appelle le melon jaune. Des tomates, du surimi, salade bien sûr, fromage, et puis ben c'est tout, hein. Ouais, c'est tout. Voilà, je pense que je vais bien me régaler, tranquille. Là, il commence à faire bon. Tout à l'heure, j'avais 33 dans le fourgon, maintenant 27. Là, il fait bon, hein. Et tout à l'heure, quand il faisait 33, il faisait chaud, hein. Voilà, petite soirée tranquillousse. Bonjour à tous. Bon, ben voilà, le petit coin sympa, là, en haut du Vercors, vraiment. Enfin, pas tout à fait en haut, au milieu du Vercors. J'étais pas sur le plateau, hein. J'ai bien dormi, il faisait frais, c'était agréable. Et là, je suis en train de redescendre. Donc, je pense que là, les températures, ça ne sera plus les mêmes. Donc là, je me dirige vers la Drôme Provençale, où je vais passer quelques jours. Enfin, je vais voir un petit peu. Donc voilà, c'est parti pour... Ah ouais, 2h35 de route. Il y a une super descente, un petit chemin de rien du tout. Où il faut faire attention, parce que si on se croise, c'est un petit peu délicat. Déjà hier, pour la remontée, c'était difficile, mais là, la descente, ça va un peu vite. Allez, je vous laisse, moi je vais me concentrer sur la conduite. Manger ce midi là, parce qu'il est midi et demi, donc je vais essayer d'en profiter. Et il fait 27 degrés. Qu'est-ce qu'il fait chaud déjà. Enfin voilà, c'est bien sympa cette petite route. Il me reste plus qu'après 70 km à faire. Oh, ça va, nickel, hein. Allez, j'essaie de trouver une petite place. Ah oui, là, je me fais une petite réflexion. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais depuis... Enfin, ça va faire 2 ans que j'ai Yellow. Au tout début, les camping-caris, comme les fourgonautes, on se faisait signe comme ça. Et là, plus ça va, moins ça le fait. Alors moi, des fois, je fais signe, puis l'autre, en face, il me croise. Il m'a pas vu, enfin, il répond pas. J'ai l'air d'un con, bien sûr. Mais je sais pas, ça se perd. Est-ce que c'est moi qui ai cette impression-là ou vous avez ressenti la même chose? Et puis une petite question, laissez-moi les commentaires. Est-ce que vous le faites, vous, le petit signe comme ça, quand vous croisez
notamment au moins moi j'ai un fourgon, les fourgonautes. Parce que les camping-caristes, des fois ils nous boudent, hein, on n'est pas considérés ben, réellement comme des camping-caristes. Ben voilà, dites-moi ce que vous en pensez de cette petite réflexion. Bon maintenant, moi je trouve ça sympathique. Tout le monde n'est pas forcément comme moi, hein, je comprends bien. Allez, à tout à l'heure. M-A-Y, c'est magnifique. Franchement, magnifique. Et là, j'ai passé le plus beau, hein. Regardez-moi ça. Et c'est réputé pour avoir plein de vautours, mais c'est juste avant et j'en ai vu deux ou trois. Ah non, mais super, super, super. Voilà. C'est pas beau la France aussi? Alors ça, c'est pour descendre juste à la rivière. Bon. On pousse tout ça. Les belles fleurs. Et voilà, c'est juste là où je me baigne, tout ça. Pas belle la vie. Bon, et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, et ben n'hésitez pas, laissez-moi les commentaires. Vous savez très bien que j'y réponds à chaque fois. Oui, c'est possible. De plus, si vous avez aimé cette vidéo, et ben n'oubliez pas de mettre un pouce. Ça, c'est toujours plaisant, un beau pouce. Tout noir ou bleu comme vous voulez. Et puis ben si c'est pas fait, abonnez-vous, oui, juste là, abonnez-vous. Ah là là, vous êtes un petit peu timide, hein, j'ai déjà dit, mais c'est vrai, hein. Allez, abonnez-vous. Bon bah ben, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Et puis ben vadrouillez bien, portez-vous bien et